Cloud, c'est le nom que j'ai donné à la série sur laquelle je travaille actuellement. C'est une série qui est orientée vers la cartographie, au sens large. Je pense notamment aux cartes de constellation, ou alors peut-être les cartes mentales, ou les cartes de processus qui sont faites en entreprise par les coachs, mais du coup, ça serait presque une parodie de ça. Je vois la surface de la toile comme le lieu où je dépose des traces, des signes. Et à partir de cette juxtaposition de signes de nature différente, ça peut être des traces de peinture, ça peut être des mots, ça peut être des motifs. À partir de cette juxtaposition de motifs, je crée des écosystèmes de signes qui, pour le spectateur, vont devenir des jeux de pistes. Ce sont des toiles qui n'ont pas de centre, donc ce n'est pas un principe de composition, on est toujours sur le principe de cartographie. Et du coup, le spectateur, à partir des différents indices qu'il va trouver, à partir des signes qu'il va reconnaître, la répétition de motifs, donc l'idée, c'est de produire comme ça une déambulation du regard. Finalement, chaque spectateur va lire différemment selon sa sensibilité et l'angle par lequel il attaque la composition. Les motifs viennent de mes carnets de croquis, ce sont des séances de dessin et j'essaye de confronter des choses qui sont très différentes. Et donc le mot souvent va non pas illustrer mais compléter une forme ou la contredire. Et c'est à partir de ce qui se passe entre la forme, la tâche ou le mot. C'est à partir de la juxtaposition aussi de mots différents ou de tâches différentes que va se créer une narration. Et j'essaye d'interpréter plastiquement, à ma façon, cette idée de cloud, de nuage numérique. C'est pas une illustration de ce qu'est le cloud, évidemment. Mais je pense à déposer des choses et en même temps, la distance entre les choses raconte d'autres choses. Les éléments juxtaposés racontent des histoires. Je suis assez intéressé par la distance du spectateur depuis la série précédente qui s'appelait Purgatoire. Le moment où il va s'approcher de la toile et va se rendre compte voilà, il y a quelque chose, il y a des éléments, des indices. Il y a des corrélations qui peuvent paraître absurdes. Et en même temps, il doit bien se débrouiller avec tous ces éléments qui sont sous ses yeux. Je travaille souvent sur plusieurs toiles à la fois. J'aime bien le principe aussi d'être comme l'atelier, comme une espèce de grand vaisseau spatial, comme ça, où on appuie sur des boutons, on tire sur des cordes. On rajoute un élément par là, et puis finalement sur un deuxième. Le principe, c'est que ça me surprenne aussi. Donc les accidents font partie, évidemment, du jeu. J'essaie de rebondir sur les moments où un geste ne fonctionne pas. Je crois que finalement, je suis dans la même déambulation que je voudrais que le spectateur ait au moment où je travaille. Mon but n'est pas de faire des dessins d'enfants, mais comment est-ce que avec les connaissances que j'ai, je vais pouvoir trouver cette fraîcheur, moi aussi, d'aller à l'essentiel. Et finalement, je crois que le rapport à l'essentiel, bah, c'est un peu une quête depuis le début. Je crois que j'ai essayé d'enlever tout ce qui m'a paru compliqué. Quand j'ai commencé à faire de la peinture, je me suis toujours débarrassé de tous les éléments en fait, qui faisaient que c'était une pratique contraignante. J'ai des séances où je supprime plus d'éléments que je n'en produis, et c'est toujours dans cette idée de simplifier la composition. Je crois que dans l'effacement, on est autant dans un geste créatif que dans l'agencement ou dans l'addition.
dans ce monde saturé d'images, est-ce que finalement, j'avais l'impression que les peintures que je faisais étaient de nouvelles images, puis finalement je crois que ça l'est malgré tout, mais j'ai essayé de produire une série qui soit au-delà de l'image. Et le dépouillement permet justement d'avoir quelques éléments comme ça, et puis une présence physique du tableau. Évidemment, on peut le reproduire, on peut le photographier, ce tableau, mais en aucun cas, on ne peut expérimenter le tableau physiquement, comme lors d'une exposition ou d'une visite d'atelier ou dans un musée. Qu'est-ce qui fait que la présence devant le tableau est indispensable? Je crois que c'est une question qui reste fondamentale, même, et encore plus aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux avec des images qui filent à 300 km/h. Je crois que la peinture est un temps aussi où le regard résiste, où il est nécessaire de prendre le temps de la regarder, tout simplement parce qu'on est on est dans un autre rapport que celui de l'image. C'est-à-dire qu'on est dans une présence physique forte, en tout cas quand ça fonctionne.